Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai des problèmes avec ma chaise. Ah là là, c'est pas vrai. Je me retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est un achat que j'ai acheté d'occasion avant les fêtes. Voilà, donc ça fait déjà quelques semaines. Je suis tombée par hasard sur Facebook sur un groupe de broderie. Une personne vendait de. Alors, je vais ouvrir le colis déjà. Ce que j'avais laissé dans le colis. Des broderies. Enfin, c'est pas des broderies, c'est du canevas. Alors, je ne sais plus comment on appelait ça exactement, mais j'en cherchais justement sur Internet. Ça faisait des années j'en avais fait. C'était DMC qui sortait ça. D'ailleurs, là, c'est du DMC. Et j'en trouve plus. Je crois qu'ils ont arrêté. Et quand j'ai vu que cette personne vendait ces deux canevas, tout neuf, hein, bon, ils ont pris un peu la vieillesse du placard, mais bon, je m'en fiche. J'ai sauté dessus. Bon, elle avait beaucoup de personnes qui étaient dessus, qui voulaient lui acheter. Mais qui ne voulaient même pas lui payer les frais de port. Ils voulaient lui acheter, mais entièrement gratos, hein. Les gens, ils ont peur de rien maintenant. Donc, moi, bon, je l'avais acheté. Mais bon, moi, comme j'avais dit, je préfère te l'acheter. Mais bon. Il n'y a pas de souci, je paye les frais de port. Je vais même payer un petit peu, un peu plus que les frais de port, puisque bon, bah, elle, à la base, elle les avait achetés, hein, ces canevas. Donc, c'était tout à fait normal. Donc, je vous dis, c'est du canevas qu'on ne trouve plus. Ou tout au moins, moi, j'en trouve plus nulle part. Et alors, je ne sais plus comment on appelle ça. Alors, c'est des collections de nouvelles tapisseries, DMC. Mais ça se fait avec de la laine et c'est pas du point de croix, c'est des points longs, voilà, des longs points. Si vous voulez, alors je vais vous montrer d'abord les dessins. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, il y a un peu chiffonné, hein, mais ça c'est parce que, voilà. Hop. Voilà, ça c'est le premier. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer ici, par exemple, on va commencer son point là et on va le finir ici. Le deuxième, on va le commencer là, on va le finir à ras de la branche. Voilà, on fait des longs points. Voilà, ici, voilà, ça va toujours être des très longs points. On peut en faire dans ce sens-là, si on veut, ou que dans ce sens-là, voilà. Il faudrait que je retrouve, là, en montant la vidéo, je vais essayer de retrouver des photos, si je peux, bon, peut-être pas de celui-là, mais je vais essayer de retrouver des photos pour vous montrer comment on fait exactement. Peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui connaissent, hein, déjà. Mais c'est quelque chose de vraiment. Ça fait des années, des années, des années que j'en faisais. Et là, j'en cherchais. J'avais envie d'en refaire. Et j'en trouve plus. Sur DMC, je n'en trouve plus. Les boutiques, même pas. Aucune boutique n'en fait. Et quand j'ai vu qu'elle vendait ça, bah, j'ai sauté dessus. Voilà. Donc c'est des choses qui vont quand même assez vite à faire. Hein. Bon, là, il est très grand. Hein. Bon, il y a besoin d'un petit peu de repassage parce que bon, elle m'a dit il était dans ses placards depuis très très longtemps. Voilà. Bon, d'ailleurs, il y a même une tache derrière, mais ça, je m'en fiche. Vous voyez, ça se voit pas, c'est derrière. Et puis, de toute façon, quand il sera fait, ça se verra plus. Bon, je vais pas le faire tout de suite, tout de suite. Je vais voir hop, avec mes broderies. Alors, je vais vous montrer, il y en a un deuxième. Hein. Je vous montre le deuxième tout de suite.
Le deuxième, j'aime beaucoup. Alors, il est plus petit. Je ne vous ai pas dit les tailles. Je ne sais même pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué les tailles. Voilà. Le deuxième, le voilà. Avec un oiseau. Il est très joli celui-là aussi. Voilà. Donc ils ont, je ne sais pas comment, j'ai pas regardé combien de couleurs, hein, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 couleurs. Donc c'est la, voyez, collection Nouvelle Tapisserie DMC, Made in France bien sûr, hein, c'est la DMC, c'est la tapisserie française. Et donc, la laine est dans des sachets. Alors, ah ben, il y a le mode d'emploi. Voilà. Voilà les points, comment ils sont faits. Alors, je suis là. Vous voyez, c'est des très longs points. Donc, on peut les faire dans les deux sens. Ou alors, on peut aussi, vous voyez, faire en quinconce comme ça. Voilà. Mais je vais essayer de vous trouver des photos de tapisseries comme ça déjà faites pour vous montrer ce que ça fait. Voilà, donc ça c'est le premier. Vous voyez. Et donc voilà la laine. Donc c'est la laine Colbert DMC. Voilà, vous voyez, c'est déjà de la grosse laine. Et donc là, j'ai tout fait. Bon, elle n'était pas sûre d'avoir tous les échevaux, mais bon, je peux la retrouver, ça, c'est pas un problème. Vous voyez. Donc là, celui-là, bah, c'est pour celui avec les arbres. Hein. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. Donc, il y a un gros sachet de laine. Bon, il faut que je me rachète une aiguille, par contre, parce que ça, j'ai pas l'aiguille. Mais bon, c'est pas un problème, hein. Ça je vais le trouver tout de suite. Et celui-là, alors celui-là je ne l'avais pas ouvert, on va l'ouvrir. Bon, celui-là je n'avais pas la notice dedans, mais je m'en fiche. Donc pareil, vous voyez, c'est la même laine. Donc pareil, j'ai toutes les couleurs hein, qui vont bien avec. Donc c'est des jolies couleurs. Hein. Oui. Voilà. Hop. Donc voilà, donc celui-là c'est pour les oiseaux. Hop. Un petit bout. Donc voilà, je voulais vous présenter ce style de canevas. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà fait avant. Bon, là, je vais voir quand est-ce que je vais les commencer, enfin, tout au moins commencer un, pour vous montrer un peu au fur et à mesure de l'avancement. Parce que j'ai déjà beaucoup de trucs à commencer, hein. Je m'éparpille, comme dirait ma copine Sylvie, qui s'éparpille aussi. Coucou Sylvie. Donc, mais là, je vais essayer de vous trouver donc des photos d'ouvrages déjà faits pour vous montrer ce que ça donne. Voilà le résultat. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo d'un thème différent vous aura plu quand même. Voilà, peut-être que les brodeuses bon, auront aimé, les autres s'y seront peut-être intéressés. Et ceux qui n'auront pas aimé, bon, désolé, mais les autres vidéos vous plairont. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Bisous, bisous.